Yo bro, c'est Junior. Aujourd'hui, une vidéo assez particulière. Alors, un tuto, mais pas un tuto maquillage, un tuto nettoyage. On va faire un cleaning de nos paires de baskets. Donc, pour l'une, ce sera la Adidas Ultra Boost que j'ai présentée dans la vidéo du top 5 des paires que je vais porter cet été. Et pour la deuxième, ce sera tout simplement la Yeezy 350 Boost. La paire de baskets en collaboration entre Kanye West et Adidas. Moi, j'ai la couleur Turtle Dove. On va pouvoir faire un petit nettoyage et je vais vous montrer quelques techniques. Vous voyez, je vous la montre comme telle. Elles sont un peu noircies au niveau de la semelle avec des petites taches sur le tissu pour la Ultra Boost et même pour la Yeezy qui a la semelle pas mal usée avec le temps parce que je l'ai depuis un petit moment déjà depuis la sortie. Donc c'est parti. Alors pour commencer, je vous présente les produits que je vais utiliser. Le premier, c'est Jason Mark tout simplement. Un produit d'une grande qualité pour faire du nettoyage au niveau des paires de baskets qui respecte bien les matériaux et qui les endommage pas surtout. La brosse Jason Mark qui avait été fournie dans un kit Jason Mark tout simplement qui est assez rugueuse. Donc j'utilise principalement pour nettoyer les dessous de semelle. J'évite de nettoyer les matières un peu trop fragiles, les cuirs souples et le daim par exemple. Mais c'est une très bonne brosse pour les dessous de semelle. Une petite brosse à dents. Alors prenez une vieille brosse à dents si vous en avez une qui traîne. Ne prenez pas celle que vous utilisez le matin pour brosser les dents, ce serait dégueulasse. Et tout simplement, poil doux, assez doux, pour pouvoir frotter les côtés de la semelle. Et là, par exemple, les matières assez douces et assez molles pour éviter de les endommager tout simplement. Et une serviette blanche, toute blanche. Pourquoi? Pour éviter les transferts de couleurs et bien voir si je fais pas un mix de couleurs, si j'ai une paire rouge que je nettoie et qu'il y a des traces rouges que je ne les mette pas sur la paire blanche. Assez spongieuse pour aspirer toutes les taches, toute l'eau, excusez-moi, dans les paires de baskets. Et un bol, tout simplement un bol en plastique dans lequel je vais verser de l'eau et je vais faire mon petit mélange avec du Jason Mark, tout simplement. Et donc c'est parti, on commence le nettoyage. Donc comme vous voyez, la serviette sert simplement à éponger, à retirer le maximum d'eau pour éviter qu'on ait de l'eau qui stagne sur la paire. Ça permet un séchage plus rapide. Donc là vous voyez, le produit a bien marché, Jason Mark a bien nettoyé la paire, même si mon coude y est allé également. Et donc voilà, la paire, on récupère assez bien la couleur blanche et le petit Ultra Boost qui brille et qui est tout content parce qu'on a bien nettoyé la paire de baskets. Et donc là, on n'a plus qu'à recommencer la même chose sur le deuxième pied. Donc comme pour la Ultra Boost, sur la Yeezy on éponge aussi la paire, c'est pas grave s'il y a un peu d'eau qui a mouillé le tissu, ça va sécher de toute façon, ça n'abîmera pas le tissu, c'est rare à part le daim, le nubuck et quelques matières de ce type qui peuvent être abîmées par le tissu, le cuir également, le tissu en général, nylon, print knit, tout ce que vous voulez, ça tient assez bien. Donc là tout simplement la Yeezy, comme vous voyez, les semelles sont pas mal abîmées, le nettoyage permet vraiment d'en apporter un peu plus d'éclat, de clarté sur la paire et lui donner, malgré le côté un peu vieillissant de la paire, parce qu'elle date quand même de l'été 2015, un effet quand même un peu plus propre
sur soi. Donc on continue le deuxième pied de la même façon que pour l'Ultra Boost. Nettoyage de la semelle extérieure et latéraux. Là pour le coup, comme la semelle de l'Ultra Boost, de la Easy Boost est différente, je peux utiliser uniquement la grosse brosse assez rugueuse qui va pas trop endommager la paire. Même pas du tout en fait. N'hésitez pas si vous avez des questions à lâcher, des commentaires, à poser plus de questions. Et on se voit sur les réseaux sociaux et un peu partout ailleurs. Je vous souhaite à tous une bonne soirée et à bientôt sur la chaîne Takotsubo.